Hello tout le monde, c'est Oran, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de Lego Le Seigneur des Anneaux et le début du 3e et dernier opus du film, enfin de la saga en tout cas. Alors, hop, petit coup de rame, ça va pas le faire. On va prendre... Pourquoi? Je dois aller en haut, mais je dois prendre... Voilà, allez. Des mentes. Donc pour un peu se remémorer de ce qu'on avait fait dans le dernier épisode, on avait encore déplacé l'œil et nous sommes donc arrêtés ici. Et je n'ai plus de batterie dans mon portable. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est pas grave. Oh, y'a ces colliers quoi! Une grosse chaîne, on dirait un gros gangsta et tout. Nous sommes tout proches du mordeur. Frodon! Mais où est son anneau? Je n'ai plus mon anneau! On me l'a volé! Bref, donc ici, je ne sais pas trop où est-ce qu'il faut aller. Bon, apparemment, faut aller dedans. Ça, on peut le casser. Voilà. Je loupe autant de pièces. Oh, tiens, ici. Gollum peut faire quelque chose. Wow, reste là, toi. Oui, reviens. Ne fais pas de bêtises. Qu'est-ce à quoi ça? C'est pour faire cramer? Ouais. Ah non, c'est une plante. Mais Frodon, il n'y a rien à péter, il s'en va tout seul. Donc je crois que j'ai tout cassé. Geronimo. Ah non, je pensais que j'allais me balancer, mais non. Hop, on y va la rage, on s'en fout. Il est où Frodon? C'est encore barré ce boulet. T'as déjà parti là-bas, allez. N'empêche, j'ai appris, bon, tout dépendra de quand vous regarderez cette vidéo, que Lego Le Hobbit va bientôt sortir. Mais je me posais une question, sachant que Lego Le Seigneur des Anneaux comprenait les trois opus, enfin les trois films, vu que là on est déjà arrivé au troisième. Est-ce que Lego Le Hobbit va comprendre les trois opus? Ça, personnellement, ça m'étonnerait parce que ça spoilerait d'avance ce qui va se passer dans le film. Mais je sais pas si ils vont sortir que Le Hobbit, enfin le premier opus, le premier film. Ou soit ils vont sortir les deux, puisque il y a eu Smaug qui était sorti. Et du coup, ils pourraient le mettre aussi dans le jeu. Mais le troisième opus, je doute, parce que le troisième opus sort que là, les prochaines. Et ça m'étonnerait, personnellement, qu'ils mettent, entre guillemets, en avant-première, l'histoire du troisième opus dans le jeu. Bon, après, je dis pas non, hein. Mais bon, je pense que ça sporerait plus d'un. Je ne sais pas si, justement, je vais y penser, je ne sais pas si Le Hobbit existe en livre, je pense, mais personnellement, je ne suis pas au courant. Donc si vous savez quoi que ce soit, why not, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc si, forcément, s'il existe en livre, il y a peut-être moyen du coup qu'il mette le troisième opus, pardon. Dans le jeu. Enfin bref, ceci étant dit, c'est qu'il y a donc de fortes chances. Voilà, je dois peut-être pas aller par là-bas. Du coup, il y a de fortes chances que je fasse Lego Le Hobbit en let's play pour faire la suite, entre guillemets, vu que c'est pas vraiment une suite, c'est plutôt avant Le Seigneur des Anneaux. Il y a de fortes chances donc que je le fasse en let's play pour vous. Tout dépend, il me semble qu'il sort au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Donc,
pense qu'au mois d'avril, vous aurez droit à nouveau let's play sur Lego Le Hobbit. J'en dis pas plus, je peux pas m'avancer d'avance. Oh, ça c'est beau ça. Je peux pas m'avancer d'avance. Je peux pas dire d'avance si j'aurai le jeu à sa sortie. Ou si je l'aurai pas, tout simplement. Enfin bref, en tout cas, sachez que il y aura bien un let's play sur Lego Le Hobbit. Je vois qu'à peu près ça plaît à beaucoup de personnes. Putain, je suis quasi sûr qu'ils vont monter là. Oh, il faut quand même laisser une grotte. Il est où Samounier? Non, non, reste ici. Putain. Pas chiant quoi. On ne peut pas construire. On ne peut pas construire. Bordel. Why? Ah, si. Je peux construire? Non. Ah, voilà. Ah, moi, les pièces. Putain, mais le boulet quoi. Là, on peut encore construire quelque chose. Je vais essayer de rester un maximum avec lui, comme ça il va pas me faire chier. Ah, mais les pièces, putain, mais ça veut dire, t'as les pièces, ils sont à 300 millions de kilomètres là, à chaque fois. Il l'appelle à lui, Sarma. Reviens! Reviens! Ouh! Oh, le coup de rame! Oh, le coup de rame! Pluie de pièces, ça fait ramer le jeu. Stop, on se calme, on se calme. On ramasse toutes les pièces. Et on se calme. Bon, par moins encore. Ah voilà, c'est pour continuer les escaliers justement. Les escaliers en carton qu'on vient de faire. Hein. Voilà. Je savais que dans le film, il passait par un chemin pourri comme ça. Je me le fais un par un, moi, j'ai pas peur. Ah, j'ai hâte de voir, n'empêche, la bataille de fin au fort avec les... J'espère avec les pirates fantômes, là. Je sais plus comment ils s'appellent. C'est un de mes passages préférés dans le troisième film. Quand je sais plus qui... Ah. Oh, on va peut-être pas aller par là-bas. Je pense pas que par là-bas je puisse y aller. Avec un des chevaliers, là, je sais plus comment il s'appelle. Qui arrive à... Oh, un poste de garde. Qui arrive avec les fantômes pirates. C'est assez épique comme passage. Ah, lui, il a pas peur dans le noir, lui. Bon, en même temps, il vient du noir, donc je pense pas qu'il a peur du noir. Juste pousser ça. C'est bon, il n'y a plus à toi là. T'as avancé tranquillos. Oh, Gollum, ça fait mal. N'empêche, à chaque niveau, je sais pas combien de pièces il faut ramasser, mais j'en ai que déjà 24 000 et j'ai quasi rien de fait dans la tige. Non mais putain, mais sérieux quoi. Les pièces ils s'envolent et ils tombent dans les trous, on a même pas le temps de les ramasser. Attends, par contre ça, je pense que j'ai moyen de les casser.
Il devrait avoir un aspirateur de pièces sur soi, parce que sinon on perd la blinde de pièces. Oh là, il y a une pièce en or. Voilà, hop. Même si c'est qu'une pièce, tant pis. Venez, petit Hobbit. Voilà, comment on perd la moitié de ses pièces. Putain, mais allez. Tout cassé. L'empêche, je suis en train de retenir. Ah non, quoique le crâne, j'avais balancé. J'allais dire, je suis en train de récolter sur tous les personnages. Après, je vais oublier comme la dernière fois. Que je ne sais plus quel personnage avait tel objet. Je vais être perdu. Non, wouh! Ah, d'accord. Non! Ah! À mon avis, ça faut se crafter un petit, une petite arme, peut-être en platine, j'en sais rien, mais... Je doute qu'on puisse le casser, du coup. Putain, Gollum, c'est un fou. Karaté et tout. Ouh, ça sent la grosse araignée, ça, je sais pas pourquoi. N'empêche, Frodon, il en aura pris dans la gueule. Déco. Je perds toutes les pièces, quoi, sérieux. Le pire, c'est quasi que des pièces en or que je perds. Oh putain, il fallait ça ou quoi. Casse-toi, Frodon. Ah ouais, carrément quoi, ça c'est de la fleur. Ah, je pensais que c'était une fleur carnivore, je pensais qu'elle allait me bouffer en place haut. Allez, bon ça va, j'en ai rabassé une bonne partie, mais... Dangereux sont les escaliers. Putain, c'est un frère à Yoda en fait, Gollum quoi. D'ailleurs, je viens d'y penser, je ne sais plus si je l'ai dit dans un des derniers épisodes, enfin... Dans les autres épisodes tout court, parce que dans les derniers je suis quasi sûr de pas l'avoir dit. Mais en tout cas dans Lego le Seigneur... Lego le Seigneur des Anneaux. Vous vous reposiez. Je vais bien. Vous êtes exténué. Oh, il va bien. C'est ce Gollum. C'est ce pays. C'est cette chose autour de votre cou. Je pourrais le porter pendant un moment pour vous soulager. Je pourrais le porter. Partagez votre fardeau. Votre fardeau. Votre fardeau. Laisse-moi! Je ne veux pas vous le prendre! Vous voyez? Il le veut pour lui, tout seul. Je veux juste t'aider un peu. Retourne chez toi. Tu ne peux plus m'aider à présent. Putain, s'il savait quoi. Bye bye! Ça c'est du dégât. Ouais, donc comme je disais avant que la vidéo m'interrompe, dans les Lego Star Wars en tout cas, il y avait des easter eggs en fonction de... Ou non, même pas, c'était dans le Lego Indiana Jones.
Il y avait des easter eggs justement de... du Lego Star Wars. On pouvait voir Chewbacca, Luke Skywalker, Han Solo et tout. Enfin, Han Solo plutôt, pas Han Solo. Et là, ils vont me taper. Putain, là, ça va, j'en ai des points de sauvegarde. Ouais, plein d'araignées. Est-ce que je peux switch? Ah non, il n'y a plus Sam. Fuck! Cassez-vous! C'est qui me pique des pièces ou qui me pique des pièces? Dégage, Gollum! Bref, bon, on va pas s'amuser. Alors, est-ce qu'il faut suivre les petites araignées? Ou est-ce qu'il faut... Je crois que Gollum a peur des araignées. Qu'est-ce que c'est là-bas? Oh, une lettre! Trop bien! Je crois qu'il y a un passage avec une grosse araignée. Où justement, ce boulet de Frodon, il a voulu continuer tout seul et. Il a laissé Sam derrière. Il me semble que ça doit être pas. Putain, lui, je peux pas le défoncer. Voilà. Ça me fait des petites caisses en plus. Non, je vais rester avec ma lampe parce que, à mon avis, tout à l'heure, il y avait une phrase d'astuce comme quoi que je pouvais éclairer. Cassez-vous! Ah, bah voilà la grosse araignée. Je savais. Ok, bon, apparemment, il n'y a pas envie. Ouais, plein de pièces. J'aurais jamais sérieux. J'aurais jamais assez de pièces. On voit vraiment qu'il y a une pluie de pièces d'un coup, mais. Ça va être vrai. Allez, casse-toi. Oh, il y a un coffre là-bas. Là, il y a plein d'araignées aussi. À mon avis, ça doit être le repère de la maman. Ça, je peux pas le casser, la toile d'araignée, apparemment. À la limite, je vais essayer de prendre mon épée. Non, je peux pas. Allez, Gollum, au travail. Désolé d'avoir défoncé le micro. Eh, mais ramasse les pièces, toi. J'en ai besoin. De la force, Gollum. Pourquoi, si je dis pas de conneries, il y avait mon épée qui avait commencé à s'éclairer. Non. Ça, je peux pas les péter. Ouais, plein de pièces.
cassée. Bon, vous savez quoi? Je vais garder ma petite clupiote là. Même si je fais des dégâts de merde avec. Mais moi, je serais plus emmerdé par. Quoique, j'avance bien niveau. Au de la difficulté. Bref, je vais pas dire pas grand chose, mais plus trop rien quoi. Oh, j'ai réussi presque tout à avoir, toi. Voilà, j'en perds les trois quarts qui sont tombés en dessous. Je fais d'autres qui sont buggés. Cassez-vous! Mais non! Putain! Je vais faire manuellement, tant pis. Faire quoi? Faut sortir par la balle? Non. Ah non, y'a tout le temps ce pas. Ce que j'ai vu, mais ça a tout fait tomber. Ah, je crois que j'ai encore faire carotte sur la tige. Bon, ouais. Vilain petit moucheron, pourquoi es-tu revenu dans la toile emprisonnée? Gollum, ça a un grand foiré en fait. Forest. Oh là, oh non, pas ça. Ça je vais pas aimer par contre. J'aime généralement pas les niveaux où il faut courir comme ça. Ah par contre il y a moyen que je ramasse le pied du coup. Yeah. En fait j'aime bien, j'ai réussi à finir comme ça. Ah il m'en manque un de. Oh non, j'en ai loupé un, fais chier. Oh, je suis deg. Esmeralda n'a pris pas de main dans ma main. Le pression nous a poussé à l'ouvrir. Je dois le détruire, Esmeralda. Non. Oups! C'est toi! Je suis de votre côté, monsieur Frodon. Comme... Ah bon? Je regrette, Sam. Comme je regrette. C'est vrai que Frodon, il serait rien sans Sam. Je pense que Frodon, il serait déjà mort si Sam n'aurait été pas là. Yeah! Niveau terminé, les gens! Et eh bien c'est ici qu'on va se quitter, j'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu, on a bien avancé pour un coup, j'allais dire ouais pour un coup, on a bien avancé dans un niveau. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo, rejoindre la chaîne, le Facebook, le Twitter, tous les liens sont dans la description. Je vous retrouve donc très bientôt pour le 13ème épisode de Lego Le Seigneur des Anneaux, portez-vous bien et à bientôt.
Shut up.